quelques semaines, c'est Noël et aucun flocon à l'horizon. C'est triste. Oh, Dina, c'est Meg. Attends une seconde. Salut, Meg. Je serai bientôt au bureau. Merci d'avoir chargé les fichiers d'Harrison. J'ai des messages? Très bien. Dis à Livingstone qu'il va devoir prendre Milo. Je peux utiliser sa photo. À qui il est beau, à qui il est charmant, à que ses grâces sont parfaites. À qui il est beau, à qui il est charmant, qu'il est beau ce divin enfant. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant. Jean-Michel. Bonjour mademoiselle Maddox. Oh, désolée, mademoiselle Maddox. Bah, qu'est-ce que c'est, un concours? Oui. Ah, d'accord. Je vous jure que je ne décorerai pas le mien avant ce soir. Voilà les dossiers que vous avez demandé. Votre téléconférence est à 15h précise et super. Harrison a appelé. Ils ont adoré. Et j'ai déplacé le rendez-vous de 9h à 16h parce que vous détestez avoir des rendez-vous le lundi matin. Ah, oh, Meg, tu me connais mieux que quiconque. Merci. Oui, et aussi, vous avez travaillé jusqu'à 3h du matin un dimanche. Livraison de pizza à 2h24 en pleine nuit. Je finissais le projet Harrison. Combien de fois vous l'avez fait ce mois-ci? Remercie-moi de ne pas t'avoir fait venir. Ouais. Pardon. Ça va, Dina? Je résume. Il me faut un autre de frais. Livingstone est sur des charbons ardents et il y a deux énormes trous dans tes collants. Un vrai lundi matin. Oh, c'est pas vrai. J'ai plus le temps de rentrer. Je te dépanne. Oh, merci. Je sais, je suis ton ange gardien. Souviens-toi, j'étais là en première année quand cet affreux Williams ne voulait pas te lâcher. Aux vacances de fin de semestre, quand t'avais pas ton maillot. Et à tes débuts ici. C'est bon, épargne-moi l'incident du casque, je l'ai encore en mémoire. Alors, écoute un peu ce que Marcos a prévu pour nous ce soir. Balade au crépuscule au parc floral, dîner aux chandelles chez Chiano et ensuite... Je choisis mon premier cadeau de Noël dans une boutique de la 5e avenue. C'est très romantique. Bon, et toi, où tu en es? T'as trouvé ton bonheur sur le site où je t'ai ouvert ce compte? Quelques profils intéressants, mais rien de parfait. Oh, je vois. Mais t'as encore le temps de trouver avant les fêtes. Je pense que je devrais modifier mes critères pour m'offrir un plus grand choix. Par exemple, je pourrais accepter les chauves et les hommes habitant la banlieue. Oh non, non, oublie la banlieue. Oh, c'est génial. D'après ce que je viens de lire, Marcos nous a prévu encore mieux pour ce soir. Et Chiano, alors? Plus de Chiano. Mais Marcos et ses amis organisent une soirée à l'œuvre. C'est quoi, l'œuvre? Un nouveau club. Tous les top modèles y vont. Et toi aussi, tu viendras. Oh, Dina, tu sais que je sors pas en semaine. Oh, tu plaisantes. Tout le monde sait que personne ne travaille les deux semaines précédant Noël. Salut, Milo. On est en train de discuter. Oui, désolé de vous déranger, ça a l'air vraiment important. Livingstone veut nous voir dans la salle de conférence sans attendre. Il y aurait un boulot de dernière minute. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Oui, je sais. Oh, et autant que vous sachiez qu'il est en super forme ce matin. Génial. Oh, c'est pas compliqué. Si c'est pour du chocolat, des top modèles sur fond de réveillon de Noël. Du chewing-gum, des super top modèles sur fond de réveillon. Oh, quant au collant... Ok, on a saisi l'idée. Non, je suis sérieuse. Les collants. Ah, oui, c'est vrai. Tu peux nous laisser. Oh, oui, d'accord. À plus on tard. On se retrouve là-bas, tout de suite. Ah, je t'attends. Ça. C'est bon, je peux me changer? Tu peux y aller, je surveille. Désolée. Holly. Chelsea Diamonds vient de virer leur agence de pub, c'est-à-dire Duxton Wells, et ils nous ont choisis pour rénover leur campagne Chelsea Diamonds Perfection. Et ils veulent des affiches dans tout Manhattan à partir de la veille de Noël. À partir de quand? Ça va faire un peu court, non? En fait, ce qu'ils attendent vraiment de nous dans l'immédiat, c'est plutôt une image emblématique. Je dirais un aperçu de la future campagne à venir, qui bien sûr sera présente sur différentes plateformes tout au long de l'année. Et il se peut que nous ne soyons pas la seule agence en compétition pour cette campagne. Alors j'ai pensé que vous seriez les plus aptes à vous occuper de ça, vu que vous n'avez aucune obligation familiale ou maritale. Bah, disons que moi j'ai un chien. Quelle chance! Oh, et parce que bien sûr, vous êtes les meilleurs, mes meilleurs éléments. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok, pourquoi on ferait pas une série de photos illustrant l'amour sous tous ses aspects traditionnels? Je pense à des endroits inattendus. Bonne idée. Par exemple, on pourrait présenter un premier baiser, une demande en mariage, un anniversaire, tout ce à quoi on s'attend quand on évoque l'amour, et on créera notre image emblématique. Je veux qu'on ait le choix, trouver le plus d'idées possibles. Milo, tu crois que tu saurais photographier l'amour? Est-ce qu'on demande à un poisson s'il est maître dans l'eau?
D'accord. Du moment qu'on lui donne ce qu'il veut, ou qu'on lui fait croire qu'on lui donne ce qu'il a demandé, le client est satisfait et il reviendra. Je vous fais confiance. Vous ne m'avez jamais déçu. Enfin, jusqu'ici. Elle est revenue ? Non, mais elle a appelé et elle ne devrait plus tarder. Salut, Meg. Dina ? Moi, c'est Dina. Ah oui, désolé. Je m'en souviendrai. C'est ça, ton genre de mec. C'est évident. Vous croyez ? Oh oui ! Il n'y a aucun doute, c'est ton genre de mec. Hé, hey, doucement. Faut le laisser venir à toi. Et ça aiderait que tu portes quelque chose d'un peu moins... foncé. Non, j'allais dire affreux. Appelle mon ami Frédérico. Il va te relooker. Je t'enverrai son numéro. Alors tu vois, je mords pas. Bye. Apparemment, nous serons les seules âmes solitaires à travailler à Noël. Je ne suis ni seule. Pardon. Ni solitaire. Oui, non, enfin, c'est parce que j'ai voulu dire par solitaire. J'ai déjà reçu de nombreuses invitations pour passer les fêtes de Noël. Évidemment, je suis sûre que tu es très demandée. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Félicitations, vous avez Chelsea Diamonds comme client. Comme s'il te fallait une excuse pour bosser plus. Mais on va compenser un peu ça en allant déjeuner, et tout de suite. On peut se voir dans une heure. Ok. Il doit rester de la pizza, si tu veux. Merci, Meg. C'était peut-être trop difficile. Pas facile à dire pour toi. T'as Marcos et il est sublime. Oui, j'ai de la chance. Et c'est vrai que je me sens un peu seule, je dois l'avouer. Mais tous les célibataires le sont à cette époque de l'année. Car tout est fait pour te rappeler que c'est la fête et qu'il faut être heureux. Mais je vais bien. Ouais, je t'assure. Hé, hey, vous pouvez pas faire attention, non ? Désolée. Oh, ça va, elle a pas fait exprès. Oh oui, je vois que tu vas très bien. Si on veut. Je devrais pourtant être reconnaissante, c'est vrai, j'ai la meilleure amie du monde. Oui, c'est vrai. Et j'ai le boulot de mes rêves, même s'il m'empêche d'avoir une vie privée vraiment épanouie. Aucun doute. J'ai un appartement génial. Il est chouette, non ? Oui, je trouve. Et pourtant, il n'est pas situé dans le meilleur quartier. Mais c'est pas grave. Ah, je devrais pas me plaindre. J'ai vraiment une vie géniale. Il me manque qu'une chose. Lui. Mais ce genre de gars n'existe pas. Bien sûr qu'il existe. Viens au club ce soir et tu rencontreras plusieurs exemplaires de ce modèle-là. Génial. Si c'est ce mec que tu veux, ce soir, t'as ta chance. Et puis tu dois savoir que l'homme parfait, ça n'existe pas. Je te parie que ces deux-là se sont disputés juste avant d'aller dans cette vitrine. Oh, j'adore cette toque. Viens, on va être en retard. Ouais, ça me plaît. Un shooting en intérieur sur fond de salle à manger décorée et avec une cheminée en arrière-plan. Et on pourrait prendre Hans comme mannequin. Il est vraiment... fade. Non, j'allais dire bien bâti et très séduisant. Quoi ? Si tu veux bien m'écouter une seconde. Oh non. Juste une petite seconde, ok ? Et si on faisait un truc totalement différent ? Milo, on n'a pas le temps de faire quelque chose de différent. Oui, je sais, mais je veux juste que cette campagne soit plus intéressante. Comme celle qu'on a fait pour Eton. Ouais, celle où t'as versé de l'huile de vidange dans le studio pour faire styler et qui nous a coûté la caution de 2 000 $. Oui, et ensuite Eton est devenu numéro 1 dans la vente de chaussures coquées. Leur chiffre d'affaires s'est envolé et ils ont lancé une mode. Tout le monde s'est mis à emporter. Ok. Je trouve que ce serait génial qu'on puisse photographier de vrais gens pour une fois. Ça nous changerait. Tiens, jette un coup d'œil là-dessus. Je sais pas comment toi, tu vois l'amour, mais en ce qui me concerne, c'est loin d'être la perfection. Je suis d'accord avec toi, mais c'est tout ce que les gens demandent. Ils veulent avoir une vie en tout point parfaite. Ils veulent un mariage parfait, un voyage de noces parfait, un réveillon parfait. Ça n'existe pas. Un baiser parfait. Ça, oui, je te l'accorde, personne ne veut d'un baiser raté. Ah, merci. Et en ce qui concerne le reste, c'est un fantasme, c'est ridicule. Oui, je sais, mais les gens veulent fantasmer. Non. Ce qu'il fait qu'ils sont si malheureux, c'est cette recherche d'une vie trop parfaite. Je suis pas d'accord. Tout le monde se torture l'esprit à l'idée qu'il puisse exister une espèce d'idéal de vie parfaite. Alors que je suis désolée, ce n'est qu'une chimère. Exactement. Et c'est pour ça qu'on leur vend du fantasme, pour qu'ils puissent vivre à travers un Mais rêve. Mais ils ne vivent pas à travers un rêve. Et ils...
Il s'effrite de l'intérieur parce qu'on leur vend une vie qui est inaccessible, irréaliste, une illusion. Alors que la réalité, c'est quelque chose de difficile, de compliqué et de confus. Et je crois que si on fait l'effort de bien regarder, on arrive toujours à trouver de la douceur et de la beauté et de la véracité dans tout ce qui nous entoure. Désolée, Dina veut que vous mettiez cette robe et soyez partie avant 10 heures. Oui, j'avais oublié. Merci, Meg. Ouais, merci, Meg. Hey! Alors, tu vas dans ce club? Tu veux dire à l'œuvre? Si tu veux te joindre à moi, je peux emmener un invité, d'après ce qu'a dit Dina. Non. Merci, c'est pas vraiment mon genre. Ok. Hé, Oli. Je te trouve sublime. Tu veux dire que je suis pas difficile, compliquée et confuse? Non. En fait, je te trouve vraiment parfaite. Merci. Bonne soirée. Alors, t'as jeté un coup d'œil? Ah, ouais. On dirait un rassemblement de gravures de mode. Hé, hey, Oli, Oli, j'ai trouvé le parfait gentleman pour toi. Ok. Nico! Hé, hey, Nico! Hé, hey, Marcos, comment ça va? Ah, oh, ils ont dû se remettre ensemble. Javier! Viens voir! Voici Javier. Salut. Où t'étais passé? J'étais au marché. Bah, t'auras essayé. Je vais boire un verre. Oh, toi, c'est tout ce que tu peux faire. Une seconde. Bonsoir, mademoiselle. Je voudrais, s'il vous plaît, un cocktail maison. Un cocktail maison? Sans glace. Je vous prépare ça. Oli, je suis désolée pour Marcos, mais des mecs, il y en a dans tous les coins. Il faut garder l'œil ouvert. Eh ben, garde surtout un œil ouvert sur Marcos. T'as vu ça? Alors, tu m'emmènes où? Eh, si tu veux qu'on s'en aille, je te suis. S'en aller, chérie? Écoute, je sais que t'as trouvé personne, mais c'est seulement parce que c'est les vacances. Ils se sont tous remis avec leurs ex. La semaine dernière, t'aurais trouvé quelqu'un, c'est sûr. Je ne voulais pas partir pour moi, je voulais le faire pour toi. Marcos est en train de draguer cette fille. Oli, Marcos est un canon. Alors bien sûr que les filles lui tournent autour. Mais une chose est certaine, tu peux me croire, c'est l'homme d'une seule femme. Et cette femme, il se trouve que c'est moi. Je l'autorise à s'amuser un peu. Je suis généreuse. Oh, moi, je vais danser. Tu me rejoins? Tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Tu vois, t'avais raison, cet endroit n'est pas du tout ton genre. Ouais, mais j'étais pas sûr d'avoir encore la chance de venir avec toi dans un club aussi célèbre. Alors... Il nous faut une preuve que t'es venu ici ce soir. Répète? Il nous faut une preuve que t'es bienvenu ici ce soir. D'accord. La voilà, la preuve. Ah! Ah, quel endroit épouvantable. Oh, Oli Maddox, voilà qui est bien résumé. Je suis vraiment content que tu le penses, toi aussi. Ah. J'espère pour toi qu'aucun de tes amis branchés ne t'a vu ici. Bon, si jamais la prennent, je dirais que c'était un pari. Ah, voilà pourquoi tu y es venu. En fait, t'as cru que je te défiais.
Écoute, Milo. Je suis un peu dure avec toi au boulot. Je le sais, mais ça fait longtemps que je suis là et je sais ce que le client veut, d'accord? Je sais ce qu'ils vont. C'est mon boulot, je le connais, alors essaie juste de me faire confiance. Mais bien sûr que je te fais confiance, voyons. Et les concessions, je te promets que ça me connaît. Je suis même prêt à en faire, mais de ton côté, tu pourrais essayer de trouver un compromis. Faut voir. C'est là. Oui, je... J'y aille. Oui, oui, ok. Je crois que je vais y aller aussi. Ok. On se voit demain à l'agence? D'accord, ouais. Alors à demain, boss. Ok. Bonjour Milo, comment ça va? Je suis pas remis vraiment de la cuite d'hier soir. Et toi, ça va? Même état que toi. Si je t'appelle, c'est que j'aimerais bien avoir ton approbation sur un truc. Quoi? T'as peur de m'en parler face à face? Non, je viens d'avoir une idée géniale et j'avais hâte de t'en parler, c'est tout. Écoute, pourquoi on prendrait pas Roger comme mannequin? Je sais qu'il est un peu déjanté, mais... Roger, celui qui s'est fait tatouer un serpent? Non, 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 Milo, absolument hors de question. Pourquoi tu dis non? T'y as même pas encore réfléchi. Milo. D'accord. Tu pourrais insister? Attends qu'on soit face à face. Ça devrait pas tarder, j'arrive. Mon Dieu. Allô? Allô? Oh mon Dieu, mademoiselle? Elle a perdu connaissance. Mademoiselle? Vous m'entendez? Voilà. Elle a bougé. Mademoiselle, vous l'entendez? Mademoiselle. N'ayez crainte, je suis là. Et je vais m'occuper de vous. Oh. Oh. Est-ce que ça va? Je crois que oui. Vos mains, elles sont glacées. Je vais vite les réchauffer. Ah, oh, c'est gentil, je vous remercie. Je suis beau. Beau? Je m'appelle Oli. Puis-je vous accompagner là où vous alliez? Oui, j'en serais ravie, vraiment ravie. Hé, Polly, t'as vu l'état de tes cheveux? Je viens de rencontrer un mec hallucinant. Ah oui? Alors je suis toute oui, chérie. Je marchais tranquillement pour venir ici comme je le fais tous les jours. Il y avait foule dans la rue et je suis rentrée en plein dans une chorale qui chantait des chants de Noël. Et j'ai trébuché, je me suis retrouvée par terre. Est-ce que tu vas bien? Mais oui, très bien. Mieux que jamais en fait. Mais je pense que je me suis évanouie parce qu'à mon réveil, c'est là que j'ai vu beau. Oh, beau. Beau, ouais. C'était comme dans un conte de fées, il est venu me sauver. C'est vrai, moi j'étais allongée par terre, tout étourdie, et lui il est apparu avec ses magnifiques yeux d'un bleu éblouissant. Oh. Il m'a aidée à me relever. Je te le dis, je suis tombée sur un vrai prince charmant. Et t'as pris son numéro? Non. Oh, mieux que ça, c'est lui qui a volé le mien. Waouh! On dirait des dauphins. Oh. Bon, désolé. Oli, sérieusement, il faut que tu regardes ça. Je sais que tu as écarté Roger comme mannequin, mais j'ai trouvé plusieurs idées qui devraient te plaire. Non! Non, attends une seconde. C'est un compromis, d'accord? J'y ai mis un peu de nous deux. Ici, les sujets sont beaux, ils ont aussi l'air vrais. Non, qu'ils aient l'air vrais, c'est pas du tout ce que je veux, Milo. Non, pas du tout. Car ça ne ressemble pas à l'amour. Ah, c'est ce que tu crois? Oui. L'amour vrai, c'est un conte de fées qui se réalise. L'incarnation du plus beau des fantasmes. Si tu veux, mais hier soir, tu disais que peut-être... Oh, c'est sûrement lui! Allô? Oh, c'est vous, beau! Oui, je me sens beaucoup mieux, c'est gentil de vous en soucier. Oui, samedi? C'est-à-dire demain, laissez-moi regarder mon emploi du temps.
Il veut qu'on soit demain pour déjeuner. Oh, mais je suis riche. Et vivre un conte de fées fait perdre toute dignité. D'après mon agenda, non, j'ai rien de prévu demain, alors avec plaisir. À midi? Oui, c'est parfait. D'accord. Oui, chez Tiano. Oh. C'est vrai qu'on a l'air de dauphins. Vous devez être Mademoiselle Holly. Oh, oui, c'est ça. Tu es d'accord? Oh, je vous avais dit qu'elle était jolie. Suivez-moi, je vous prie. Je sais que vous serez des parents géniaux. Mes félicitations pour cette naissance. Vous êtes encore plus belle que dans mon souvenir. C'est pas difficile, j'étais un peu groggy quand on s'est rencontrés, merci. Cet endroit est vraiment merveilleux. Je suis heureux que vous soyez remise et que vous ayez pu venir. J'avoue que j'arrive pas à y croire. En général, je ne suis pourtant pas quelqu'un de maladroit. Oh, ça n'a rien à voir avec le fait d'être maladroite. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que j'ai vues tomber sur ce trottoir. Vous êtes vraiment trop gentil. Oh, que ce soit en raison de la foule ou du verglas, marcher dans la rue peut être dangereux à cette époque de l'année. Vous êtes drôle. Je suis très sérieux. Vous savez... Peut-être que mes parents ont raison, ils ne veulent plus venir en ville pendant les fêtes. Ils préfèrent aller en vacances à Saint-Barth. Wow, ça doit être le paradis. Mmh. Et vous, vous n'avez pas envie d'y aller? Eh bien, mon travail ne me laisse pas vraiment le temps de partir en vacances. Et j'ai bossé 3 ans pour décrocher la promotion que je viens d'avoir, mais je dois convaincre mon patron qu'il n'a pas fait le mauvais choix. Et soudain, j'ai plus de travail que je n'en ai jamais eu. Et, oh mon Dieu, désolée, je ne fais que parler. Dans quoi travaillez-vous? Dans la publicité. Vous plaisantez? J'adore la publicité! C'est vrai! Oh, vous allez rire, mais... Depuis que je suis tout gamin, je fais des pubs pour un tas de... Je vous montre. Les planches de surf. C'est bientôt la rentrée. Vive les vitamines! Vêtements décontractés. Vous faites ça vraiment bien. Merci. Un cocktail aux agrumes, comme vous l'avez demandé. J'ai aussi pris la liberté de commander leur spécialité. Vous aimez les gnocchis? Oh, j'adore les gnocchis! Merci. Merci. Buvons au conte de fées qui commence. D'accord. Je suis désolée. Appelle-moi pour confirmer le shooting Chelsea Diamonds. C'est mon travail. Mais on est samedi. Je croyais vous avoir pour moi tout seul aujourd'hui. Mais c'est le cas. Moi, je réglerai ça lundi matin. Salut Milo. Tiens, voilà ta pizza pepperoni champignon encore brûlante. Et enfin chaude. Chaud tiède. Ah, merci, Frankie. Je vais me régaler. Quoi ouais. qu'on en dise, vous faites les meilleures pizzas de New York. Allez, bonne soirée, vieux. À toi aussi. Oh, réponds, Holly. Vous habitez ici? Oui. Je passe dans cette rue tous les jours? Oui, je dois vous avouer que je vous ai déjà vu passer. Difficile de ne pas vous remarquer. Alors, Stan, on a retrouvé la forme? Oui. Merci encore d'avoir conduit Shirley chez son médecin hier matin. Cette sciatique m'a cloué dans mon fauteuil. Oh, je vous en prie, c'était rien. Je suis content que ça aille mieux. Mais finis la rumba, Stan. Est-ce que ça vous dit de monter? Bah oui. Il faut me pardonner, ça manque d'une touche féminine. Oh, vous en faites pas, vous êtes pas venu chez moi. Waouh! Il est génial cet appartement. Oui, ce n'est pas mal. Vous savez, si vous êtes gay, il suffit de me le dire, hein, c'est pas grave. On peut être amis. Je ne suis pas gay. Et je préférerais qu'on ne soit pas seulement amis.
Faites comme chez vous. Sinon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je travaillais dans la vente. Ah oui? Oui, mais on est trop esclave des saisons. J'étais fatigué d'être toujours au même endroit. Oui, je vois de quoi vous parlez. Alors, tout récemment, je me suis retiré. Maintenant, je passe mon temps à parcourir le monde, à pratiquer des sports extrêmes et à faire du bénévolat. Waouh. Et vous faites tout ça seul? Ouais. Mais je n'ai pas toujours été seul. Seulement, je crois que je n'étais pas prêt à l'époque où je fréquentais quelqu'un. Ça ne devait pas être la bonne personne pour moi. Alors, qui, en théorie, pourrait être la bonne? La bonne personne serait une femme ambitieuse qui reçoit des textos le week-end. Elle serait drôle et prête à accepter une invitation alors qu'elle serait tombée sur la tête la veille du rendez-vous. Oh oui, c'était douloureux. Mais on allait chez Chiano, alors... Et elle aurait du goût aussi. Oh oui, j'en ai. Vous avez remarqué? Nos lèvres s'emboîtent parfaitement. Oui, j'ai remarqué. Salut, c'est encore Milo. Je viens de t'envoyer un message pour que tu confirmes le shooting, mais je n'ai pas eu de réponse. On pourrait en reparler lundi, mais il faudrait voir à ne pas traîner si on veut être certain d'avoir le studio. On m'a donné deux invitations pour l'ouverture d'une galerie d'art. C'est dans le sud de Brooklyn ce soir. Je suppose que tu viendras pas parce que tu n'aimes pas aller en banlieue, mais je... je tente le coup. Alors, rappelle-moi, enfin, si ça te branche, bien sûr. Je te laisse, à plus tard. Bye. Merci. Tu ne m'as pas appelé de tout le week-end, alors je suppose que c'est bon signe. Tiens, c'est lui. Oh, il est trop craquant. T'as vu les dents qu'il a? Mais qui c'est celui-là? C'est le petit ami d'Oli. Non, c'est pas mon petit ami. On dirait un mannequin. Hé, hey, Oli, tu as eu mes messages? Ouais, tu peux réserver le studio. Même avec les yeux fermés, je trouve que vous faites un beau couple. Oh. Ok, est-ce qu'il a un frère ou un cousin? Tu rigoles, qu'est-ce que tu fais de Marcos? Ouais. Ça ne va plus avec Marcos. Ah ouais? Raconte. Je suis sûre qu'il m'a trompée. Non! Avec Miss Brésil. Oh! Mais tu m'avais pas dit qu'il était monogame? Alors, c'est qu'il doit être bigame. Dina, je suis vraiment désolée. Je le savais. C'était trop beau pour être vrai. J'abandonne. Les sorties, c'est terminé. Quoi? Tu baisses les bras, c'est clair. Non, ça, c'est pas la Dina que je connais. Ah oui? Qui nous fait entrer dans les meilleures ventes privées de la ville? Moi. Vraiment? Et qui nous a procuré une invitation à toutes les soirées organisées durant la Fashion Week de New York, dont une obtenue auprès du plus grand couturier de Milan? Moi, bien sûr. Alors, on est d'accord. Tu es belle, tu es une femme intelligente et la meilleure amie dont on puisse rêver. Et je suis sûre que tu trouveras mieux que Marcos. Pourquoi tu l'envoies pas balader? Sans doute parce que... ça doit pas arriver à tout le monde de tomber sur le prince charmant. Ouais, mais tu sais... Hors de question que je sois encore seule pour les fêtes cette année. Être célibataire à Noël, c'est pas si grave. Tu dis ça maintenant parce que t'as quelqu'un et je veux quelqu'un. Il n'est pas pour toi. Il faut que tu te sépares de Marcos. On verra. Dina, on est quasiment à Noël et juste derrière, il y a le jour de l'an. Et qui va m'embrasser? Je t'embrasserai le jour de l'an. Mais Marcos est trop craquant et j'adore que ce soit un mannequin connu. Et il a ses entrées n'importe où. Oui, mais tu es malheureuse avec lui. Tu sais que j'ai raison, Dina. Je le quitterai après le jour de l'an. Enfin, peut-être. Oli, je vais bien, chérie. Je t'assure. Dina a toujours la pêche. Thank you.
dire non, je comprends, c'est vrai. La station de la 3ème avenue est vraiment très sale. Non, mais ça n'a rien à voir avec Brooklyn. Et c'était très gentil de m'avoir invité, merci. Et je voulais te rappeler, seulement j'ai eu des choses à faire. Ouais, je sais. Comment ça, tu sais? Je sais juste que tu aurais littéralement décollé du sol ou quelque chose comme ça. Les nouvelles vont vite par ici, mais bon, laisse tomber. De toute façon, je pense pas que tu aurais aimé cette galerie. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, ne pas aimer une galerie, ça m'étonnerait. Je crois que je sais ce que tu aimes. Tu aimes le style ordonné et soigné, et surtout avec des dents parfaites. Ok, tu l'as mauvaise, je sais. Désolée de pas t'avoir appelé. C'est rien, c'est oublié. Tiens, pourquoi on prendrait pas ces deux-là, si t'es d'accord? Ouais, ça va, je suis d'accord. Parfait. Je vais dire à Meg de les booker tous les deux. Ok, génial. Alors, on va déjeuner? J'ai quelque chose de prévu pour le déjeuner, désolée. Ah, ça roule. Bon, dans ce cas, tout à l'heure. Ils sont encore bons, ces sandwichs? Ils devaient être bons vendredi, quand ils étaient frais. Maintenant, ils sont rassis et ils ont pris la poussière, mais ils sont gratuits. Miam. Où est Oli? Je croyais qu'elle était avec toi. Non, mon chou. Oli est avec Beau. Beau? C'est ridicule comme prénom, ça, sérieusement. Le seul Beau que je connais, c'est Bobo le clown. Ouh! Qu'est-ce que c'était, ça? Je crois qu'on est jaloux. De Beau? Non, certainement pas. Tiens, juste. Enfin, je trouve qu'elle... Je trouve qu'elle s'emballe un peu vite pour un type qu'elle vient de rencontrer. C'est tout. Et on travaille sur cette campagne tous les deux et elle... Elle répond pas à mes messages. Comment je dois le prendre? Moi, j'ai besoin de son avis pour avancer. Et moi, je suis très heureuse pour elle. Et c'est sincère. À condition qu'on se voit toujours une fois par semaine pour faire du shopping. Oh, oui, ça, c'est important. On se calme, monsieur le super photographe branché. N'oublie pas qu'on travaille ensemble, alors prends pas tes grands airs avec moi. Mais peut-être que je suis trop compliqué pour toi. Compliqué, toi? Non, mais tu plaisantes. J'ai un petit ami qui est mannequin. Lui, il est compliqué. Oh, bien sûr, ça ne peut venir que de lui. Seulement, tu sais quoi? Sans vouloir t'offenser, d'après mon expérience, la plupart des complications viennent généralement de vous, mesdames. Oh, c'est ce que tu crois? Oui. Vous êtes très, très... volage et... Vous êtes obsédé par l'apparence. Vous croyez que les contes de fées sont vrais. Elle pense que la perfection, c'est ce qui rend heureux. Elle va dans ses stupides boîtes de nuit à la recherche d'un type qui n'existe pas. Et elle s'imagine... Elle qui? Quoi? Tu as dit elle et tu l'as dit deux fois, mon chou. Ah ouais? T'en es sûr? Oui, je suis sûr. J'ai des oreilles. Bon, c'est possible. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous, toutes les femmes, très souvent, vous êtes juste... Vous êtes incapables de voir que quelqu'un de vraiment très bien, et des fois de parfait, se trouve là, sous vos yeux. Oui, juste sous vos yeux. Eh bien, vous n'avez qu'à dire à Janet, ou plus exactement à l'espèce de cinglé qui a ruiné ma vie, qu'elle aille se... Elle n'obtiendra pas un centime de plus dans ce divorce. Pas comme lui, j'espère. Non, 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 pas comme lui, non. Tu sais quoi? Tu devrais pas t'en faire. Oli n'a qu'une priorité, et c'est toujours son boulot. C'est pas ce que je voulais dire. Je pense juste que ce Beau... Quoi, il est pas assez compliqué pour elle? On peut dire ça comme ça. Je sais pas. Peut-être que Milo a raison. Pardon? Moi, tu veux pas m'écouter, mais ses conseils à lui te paraissent judicieux. En fait, il est pas aussi débile que je le pensais. C'est vrai, il a raison. Il y a peut-être quelqu'un de parfait pour moi, juste son nez, et toutes ces histoires avec Marcos m'empêchent de le voir. Alors commence par oublier Marcos, ça ira mieux. Bon, je te souhaite une nouvelle nuit de rêve avec Beau. Je vais peut-être aller voir si Milo veut se faire masser avec moi. Vraiment très drôle. Tu vas voir Marcos? C'est bien possible. Alors fais attention. J'ai compris, t'inquiète pas. Bonne nuit. Ah. Oh.
C'est du tofu, mais on jurerait que c'est du canard. Waouh! On dirait une photo d'un magazine de cuisine. Oh non, mais on m'a interviewé pour m'essouffler. Dire que j'ai déjà du mal à réchauffer des plats emportés, sans vouloir comparer, hein, mais... Ça et tout ce qui est repas surgelé, c'est tout ce dont je me nourris. Je sais que j'ai déjà porté un toast la dernière fois, mais j'ai encore tellement, tellement de choses à te dire. Aux contes de fées qui deviennent réalité. Aux contes de fées, encore. Oh, 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 mon Dieu. Oh, je suis vraiment désolée. Okay, pas de panique. Non, est-ce que tu aurais du bicarbonate de soude? J'ai l'habitude des tâches, je sais comment on doit faire. C'est du linge de maison très ancien, tu comprends? Mais c'est rien, ça va s'arranger. Et le fer était en cristal. Je suis désolée pour ta nappe ancienne. J'ai passé une super soirée. Et ce faux canard était délicieux. Oh, merci. J'ai toute une série de moules à tofu. Tu es obligée de retourner travailler ce soir? Ah, j'aimerais te dire que non, mais on doit avoir terminé pour Noël et je suis même pas encore sûre que le shooting sera fini. Je comprends, mais j'adore passer du temps avec toi. Oui, souviens-toi, tu as dit que tu aimais les filles ambitieuses l'autre jour. Encore une chose. Je veux te voir demain soir, j'ai une surprise pour toi. Et fini les nuits passées au bureau. Pour l'instant, ça va être très difficile. J'ai pris du retard et je suis jamais en retard dans mon travail. Mais... Et toi, t'es sûre d'avoir envie de me revoir aussi vite que ça? Oli, quand on sait, on sait. Et je sais. Et si demain soir, j'apportais le repas chez toi? D'accord. Ça marche. Ma puce, je suis content que tu sois là. Quoi, t'es en colère? Oh non, quelle drôle d'idée! Bien sûr que je suis en colère! J'arrive et je te vois en train d'embrasser une de ces stupides blondasses décolorées! Mais t'étais pas encore arrivée! Et toi, t'étais pas dans le taxi avec moi, mais je me suis pas jetée sur le chauffeur! Écoute, ma puce, je croyais qu'on était d'accord tous les deux. Marcos ne fréquente jamais une femme à la fois. Dans ce cas, Dina en a terminé avec Marcos. Terminé avec Marcos? Terminé avec Marcos? Terminé avec Marcos? Bon. Salut. Salut. Alors? C'est rien. Oui, il y aura quelqu'un juste en face de moi. Il suffit que j'ouvre les yeux et... Oh non! Ouais, je suis contente que tu l'aies laissé tomber, Dina. Et crois-moi, tu trouveras le bon au moment où tu t'y attendras le moins, tu verras. Milo avait raison. J'avais raison, pourquoi? Mais quoi tu joues, Milo? Tu m'as fait peur. Non, c'est rien. T'es sûre que ça va aller, Dina? Bon, d'accord. Bye. Qu'est-ce que tu fais ici? Désolé, tu devais pas voir ça avant demain matin. Mais c'est pas grave, tiens. Tu peux lire. Quand travail rime avec plaisir. Et où t'as déniché toutes mes vieilles affiches? J'ai découvert un site sur internet qui adapte les vieilles photos à ces visionneuses. Alors j'ai pensé que ça pourrait être sympa que tu puisses voir tes travaux transposés en 3D. Et puis, c'est moi qui ai pris pas mal de ces clichés, alors... C'est juste un cadeau, un peu en avance. C'est vraiment gentil. Attends, tu veux m'acheter? Parce qu'on s'est déjà mis d'accord pour les mannequins. Non, pas du tout. Je voulais juste jouer les Pères Noël de service. Ouais, t'es mon Père Noël, alors. Oui, si on veut.
Mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Oli, il faut bien que quelqu'un s'occupe un peu de faire avancer le projet, non? Ouais, ok. Bah oui. Ah, voilà ma pizza. Faut que je te laisse. Pepperoni? Et champignons. Ah. Je t'en garde une part. On a booké le studio pour demain, le shooting est à 9h. Faites-moi confiance, je sais que vous allez adorer ce qu'on a préparé. Oui, bien sûr, et Chelsea Diamonds également, vous verrez ce que je vous dis. Oui, d'accord, au revoir. Bonsoir. Oli, je suis Carole, la mère de Beau, bien sûr. Et voici Mike, son père. Bonsoir. Vous aimez le veau piccata? Tout le monde aime le veau piccata, voyons, papa. C'est parfait, parce que c'est moi qui vais cuisiner. Oh, allez-y, je vous en prie. Qu'est-ce que t'en dis? Elle est géniale, hein? Ah. Beau, tu ne m'as pas dit que tes parents devaient venir. Parce que c'est la surprise dont je t'avais parlé, chérie. Surprise! Papa, tu peux venir m'aider? Bien sûr, fiston. On va déplacer ce canapé, d'accord? Oui, comme tu voudras. Si j'avais su que vous veniez, j'aurais mis... un peu d'ordre. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Oui, tu as raison. Maman, on dîne dans combien de temps? Dans moins d'une heure, chérie. Oh. Tes livres sont en désordre. Je vais les classer par ordre alphabétique. Oui, si ça t'amuse. C'est la fête ce soir, hein? Oui, la fête. Tu as tout à fait raison, Beau. Regarde-la, chérie. C'est vrai. Ah, c'est sûr qu'elle est jolie. Elle pourrait poser pour un magazine. Oh, un toast. Ah. Au conte de fées qui se réalise. Et aux petits enfants. Alors, vous êtes dans la publicité. Je trouve que c'est un domaine réservé aux jeunes. Oui, je crois que vous avez raison. Vous savez, Mike et moi étions très demandés à une époque, mais c'était il y a longtemps. Très demandés? Ah oui, ils trouvaient qu'on avait fière allure tous les deux. C'est pour ça qu'ils nous mettaient toujours ensemble en toute saison et pour les soldes. Et on est tombés amoureux. Oui, on travaillait beaucoup à l'époque. Vous faisiez quoi exactement? Montrez-lui. Oh, non. Ne dis pas. Montrez-lui, allez, s'il vous plaît. Non, non mon chéri, non, ça. Vraiment, c'est ridicule. Oh, pourquoi pas, allez, viens. Oh, d'accord, non. Voyons voir. Les promos de la rentrée. Bonne idée, oui, tu t'en souviens. Allons-y. J'adore la rentrée. Oh, soyons plus fous maintenant, essayons les fêtes de fin d'année. Excellent choix, facile. Allons-y. Vous avez l'air d'aimer ce genre de... Oh, ça sent très bien. Ok. Allez, une dernière fermeture définitive. Tout doit disparaître. Une fermeture définitive, c'est fini. J'en suis sûre. Allez, je me jette. Bravo. Oh, mon Dieu, chérie, c'était fantastique. C'était comme au bon vieux temps. Et tu es toujours aussi séduisante, toi. Oh, mes enfants. Merci, chérie. Quelqu'un reprendra du beau. Oli, mon ange, tu viens? Maman nous prépare des bananes flambées. Je viens tout de suite!
Et tous les deux, nous espérons avoir notre maison un jour. Et très vite, une fille et deux garçons. On aura aussi un chien et une dépendance dans le jardin où vous pourrez venir passer les vacances avec nous. Et même vous y installer un jour. Oh mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que t'as dit à tes parents quand je me suis absentée à propos de nous et de notre avenir... C'est vrai, j'adore leur donner de bonnes nouvelles. Ça les rend tellement heureux. Écoute, d'après ce que j'ai vu, ils n'ont pas besoin de ça pour être heureux. Maman a apporté la mélodie du bonheur. C'est un film qu'on adore. Oh, chouette. Pas de problème, allez-y. Commencez sans nous, on arrive dans une minute. Tu trouves pas que tout ça va un peu trop vite? Oui, je sais. Tout est allé très vite, c'est vrai. N'est-ce pas merveilleux? Non mais trois enfants, Beau! T'as déjà tout planifié. Tu crois pas que j'ai aussi le droit d'être au courant? T'as raison, mais c'est tout ce dont je rêve avec toi. Je me fais peut-être des idées, mais c'est pas ce que tu veux toi aussi. Une vie parfaite avec la personne adéquate. Si... Oli, mais... le son ne fonctionne pas! Sœur Margaret chante, mais on n'entend pas du tout ce qu'elle dit. J'arrive tout de suite. Réfléchis. N'est-ce pas un rêve qui pourrait devenir réalité? Ce dîner était absolument merveilleux et je suis ravie d'avoir pu vous rencontrer tous les deux. Merci, Oli, qu'elle est mignonne. Vous êtes un vrai trésor. Elle va très vite s'adapter à la famille, j'en suis sûre. Je le crois aussi, papa. Nous, on se voit demain, chérie? D'accord. Salut! C'est la liste des clichés, je te l'ai envoyée par mail aussi. Il nous faut des photos près d'une cheminée, ça c'est le plus important. Ok, c'est noté, boss. Tiens. Un toast, tu aimes? Oh, c'est ce que je préfère. Hein? Ce serait pas dans le Midwest? Oui, c'est un coin dans l'Indiana. Ça me rappelle l'Ohio où j'ai grandi. C'est vrai? J'ai fait un voyage en voiture d'un mois à travers le pays et j'ai découvert cette petite ville qui m'a rappelé toutes les petites villes où j'aurais rêvé de grandir quand j'étais gamin. L'Ohio, c'était pas très excitant. Un bout de jardin, c'est super excitant pour un gamin qui a grandi dans un immeuble surpeuplé de Brooklyn. Je parie que t'étais la terreur de tout le pâté de maison. Comment t'as deviné? Et toi, comment t'as pu prendre un mois de congé? C'était juste avant que je commence ici. J'avais besoin de faire un break quand j'ai quitté mon agence de presse. T'as bossé pour une agence de presse, je savais pas. Ouais, et j'adorais ça. J'avais la chance de prendre tous ces gens en photo et d'essayer de raconter leur histoire. Seulement, je bossais 24 sur 24, 7 jours sur 7, j'avais pas de vie. Parce que tu trouves qu'ici on a du temps libre? Je t'ai vu bosser tard l'autre nuit. Ouais, c'est vrai. Sans doute parce que tu travaillais tard, toi aussi. Vous devriez y aller, vous êtes en retard. Merci, mec. On se rejoint en bas. Merci. D'accord. Vous êtes tout ce qu'il lui faut. Quoi? Je peux en prendre un? Ouais. Sans problème. Ça va être juste. On a plusieurs séries à faire et très peu de temps. Mais je sais que tu vas y arriver. Ouais. J'adore travailler dans l'urgence. Bah, où ils sont tous passés? Bah, j'en sais rien, j'avais pourtant confirmé, je te le jure. Hé! Hey! Hé hey, oh! Dolan! Mais qu'est-ce qui se passe? Où est notre équipe? Un de vos gars a annulé. Il a appelé ce matin. Il a dit que vous alliez faire le shooting ailleurs, que vous aviez un nouveau photographe, blablabla. Bla, bla. Comme j'avais la caution, j'ai dit que c'était pas grave. Il a dit parfait et il a raccroché. Il y a forcément une erreur. Qui vous a appelé pour annuler? Il a donné un nom? Beau, je crois. C'est tout. Beau, vous dites? Oui, Beau ou Joe. Non, c'était Beau. Beau. Vous n'avez pas trouvé étrange que quelqu'un de totalement inconnu appelle pour annuler la location? Vous n'avez pas pensé à rappeler? Du moment que j'avais la caution. Bien sûr. J'ai pas de temps à perdre, Milo. Bon, toi tu files au bureau et t'essaies de reprogrammer la séance demain, n'importe où, on n'a pas le choix. On risque nos boulots sur ce coup-là. Moi je vais essayer de tirer ça au clair. Si
surtout, reste calme, d'accord? Restez calme? Mais comment t'as pu me faire ça? Est-ce que t'as perdu la raison? Je peux pas refaire ce shooting, le temps m'est compté. On a perdu la caution, on va perdre le client et moi je vais perdre mon boulot. Est-ce que tu cherches à briser ma carrière? Non, moi je veux seulement t'aider. Écoute-moi, juste une seconde. J'ai eu Dex Dearborn pour faire les photos. Mais on a déjà un photographe pour ce projet, beau. Et puis... Attends, tu as bien dit Dex Dearborn? Le photographe le plus primé de sa génération, Dex Dearborn. Oui, mon appartement, c'était son studio avant. Il a fait ses meilleures photos ici. Apparemment, c'est une histoire d'éclairage ou d'énergie. Je sais pas trop. Et il insiste pour que ça se fasse ici, d'où mon intervention. Non mais ses honoraires sont complètement délirants. Jamais on ne pourra se payer ses services. Oui, mais il me doit une faveur. Fais-moi confiance, ça va être fantastique. Attends. Je pense que ça peut être vraiment fantastique. Mais c'est mon shooting. Et mon travail. Je suis efficace et professionnelle dans mon métier. Et là, tu nous as mis, mon agence et moi, dans une situation mais vraiment délicate. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je voulais t'aider, rien de plus. Bon. Il est trop tard pour trouver un autre studio et... Et c'est Dex Dearborn. Voilà, c'est ça, montre le diamant. C'est bien, oui, c'est ce que je veux, parfait. Oui, c'est Noël, les enfants, éclatez-vous. Oui, c'est ça. Vous êtes bien comme ça. Gardez la peau, c'est parfait. Oui, regardez-vous, bonne idée, j'adore. Je suis désolée, qu'est-ce que je peux faire? C'est affreux, c'est terrible. Pitié, me renvoyez pas. Je vous jure qu'hier soir, tout était au point. Je vous promets que ça n'arrivera plus. Meg, pas de panique, ouvre les yeux. J'ai pas l'intention de te renvoyer, tout se passe très bien. Regarde. C'est fantastique. Je veux sentir le feu. La passion doit se ressentir ici, dans l'objectif. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Oh, oui, ça peut marcher, oui. C'est ça, oui, bravo. Oui, c'est ça, bien. Et maintenant, prends sa main. Comme ça? Comme un homme. Comme un homme le ferait. Et c'est pas compliqué. Voilà, oui. Hé, hey, allô? Qui, moi? Oui, toi. Ah. Ta main droite, il faut qu'elle ait l'air plus naturelle. Allons. J'ai dit naturelle, comme celle d'un humain. Tu as déjà vu une main humaine dans cette position? Ok, laisse tomber, on va passer à autre chose. On dirait pas une main, mais un crochet, je couperai ça. Ok, on continue. Non, ça ne va pas, c'est terrible. On va faire la demande en mariage, d'accord? Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Ça va être facile, ça. Alors, faites ce que je vous dis. La bimbo, tu vas rester devant le sapin. Et toi, Einstein, tu es déjà à genoux, c'est très bien. Allez, c'est le plus beau jour de votre vie, d'accord? Vous n'avez jamais été plus heureux, montrez-moi cet amour. Ce serait mieux si tu la regardais, elle, plutôt. Tu saisis? Merci. Alors c'est simple, c'est le plus beau jour de votre vie aujourd'hui, alors ça doit se voir, d'accord? Vous n'avez jamais été plus heureux, d'accord? Je veux que tu la regardes, comme si ton amour allait durer jusqu'à la fin des temps. Tu es sur le point de faire ta demande, tu es plein d'espoir, mais aussi sûr de toi. Tu es fort, mais vulnérable. On ne va pas y arriver. C'est une catastrophe, Holly. Oui? Oh. Désolée, mais je ne peux rien faire avec ces deux-là. Ah. Il ne se passe rien, je préfère Beau. Vous croyez? Eh, Beau, est-ce que tu peux montrer à ce crétin comment on fait? Salut. Oui, bonne idée. Oui, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Oh, ben non, je suis désolée. Beau, non, qu'est-ce que... Arrête! Waouh! Ah oui, c'est fantastique. Exactement ce que je veux. Formidable. Wendell, la bague. Vite, la bague. Voilà, enfin on y est. Oui, et maintenant, regardez-vous dans les yeux. Oui, c'est magique. Magique. Waouh, j'adore, oui. Qu'est-ce que c'est que ce raffut maintenant? Excusez-moi, c'est une erreur ou bien vous êtes en avance? Bondi! Je vois que tu n'as pas perdu de temps. Et c'est au moins une taille 40. Vous êtes qui? Tu avais passé toutes les vacances avec moi. Tu avais dit toutes les vacances. Souviens-toi. Tous les jours de l'an, toutes les Saint-Valentin et tous les premiers mai. Attendez, ne partez pas, on n'a pas terminé. Ce n'est pas ce que tu crois, alors laisse mon sapin tranquille, s'il te plaît. J'ai toujours été près de toi tout ce temps. Mais toi, tu n'as pas hésité une seconde à m'abandonner.
Je vais me venger du pays compté. Oh mon Dieu! Mec! Oh, oh c'est lourd! Attendez-moi 5 minutes. C'est quoi tout ça? Mais cette fille, c'est qui? Mon ex. Elle est toujours folle de moi. Qu'est-ce que j'y peux? Oh. Est-ce que tu vas bien? Ouais, je crois. Elle a tout saccagé et tu la laisses partir? Quoi, tu aurais voulu qu'elle reste? Ça veut dire qu'on a terminé? Oui, on a terminé. Oh. On s'en va. T'es sûre que ça va aller? Mmh. Oli, attends, chérie. Oli, je peux tout arranger. Comment ça va, Oli? Et pourquoi elle fait la tête? C'est à cause d'hier. J'ai entendu dire que le shooting s'est mal passé à cause de son copain Beau qui a pris trop d'initiatives. Ouais. Je ne connais pas tous les détails. Oh, mais alors? Oli! Livingstone, alors ça va? Je veux savoir comment ça se passe. Je vais très bien, merci. Je vous parle de la campagne, bien sûr. Comment s'est passé le shooting? Je peux voir les épreuves? Bientôt, on a fait du bon boulot. Tout sera prêt à temps. Mais j'espère bien que ce sera prêt à temps. Elle est très importante, cette campagne, pour vous et aussi pour l'agence. Je sais. C'est rassurant. Enfin, pas vraiment. Milo... Il y a quelques bons clichés. Certains sont très convaincants. C'est pas du tout ce qu'on pourrait croire. Arrête ça une minute. Je suis désolée pour hier et pour tout ce que Beau avait prévu. Si ça peut te consoler, ça a été un vrai désastre. Et pire que tout, on n'a même pas une photo valable. Je sais même pas comment on va s'en sortir. Comment on va s'en sortir? Oli, on devait travailler ensemble sur ce projet et je devais faire les photos. J'ai passé des jours à préparer cette séance. Je suis désolée, t'as raison, mais j'ai pas eu le choix. Bien sûr que tu l'as eu. T'aurais pu lui dire non, mais tu l'as pas fait. On pouvait reprogrammer pour aujourd'hui. Mais non, c'est comme si ce Beau t'avait jeté un sort. J'ai essayé. Je te comprends pas. T'es toujours dans cette recherche de la perfection et tu es prête à tout pour la trouver. Non, c'est faux. Tu sais, c'est drôle. J'ai trouvé des ébauches de certains de tes travaux, des maquettes que tu n'as pas retenues et... Tu sais quoi? C'était vraiment excellent. La vraie Oli est tellement plus intéressante que tu ne le crois, mais t'es trop obsédée par ce que pensent les autres pour le voir. Youpi! C'est Noël! Et les tickets boissons pour la fête de l'agence sont enfin arrivés! Désolée, j'espère que je dérange pas. Non. Non. J'entends le téléphone. Tu vas à cette fête? Non, j'ai pas le temps. Il faut que je reste ici pour travailler sur la campagne. Non, vas-y. Je vais m'occuper du projet. J'ai déjà téléchargé la plupart des photos de Dex et je vais voir ce que je peux en tirer. Alors tu penses trouver une solution? C'est ce que je fais toujours. Ouais, c'est vrai. Tu es un magicien dans ce domaine. C'est Beau, il faut que je lui réponde. Oui, bien sûr. Envoie-le balader cette fois. Beau, il faut qu'on parle. J'y suis pas arrivée, je me suis dégonflée, j'ai pas pu le faire, c'est comme si les mots refusaient de sortir de ma bouche. Oh, peut-être bien qu'il m'a envoûtée après tout. Ce que le cœur a choisi, la tête ne peut s'en défaire. Je me demande si Milo viendra seul à la soirée. Milo, pourquoi tu me parles de Milo? Pour rien. Hein? Quoi? Qu'est-ce que... Qui t'a écrit? Milo, il m'envoie la première épreuve. Mais regarde ça. Waouh, ce Milo est un vrai petit génie. Waouh. Oh, c'est beau, il est en avance. Non, laisse-moi lui ouvrir. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Alors regarde et tais-toi. Oh, vous devez être beau. J'aurais dû venir avec De Rose. Oh, mais qu'il est mignon. Salut, Beau, on est presque prête. Juste une seconde. Oh,
J'ai oublié que mon canapé se trouvait ici. Tu finiras par t'y faire. Oh, permettez. Oui, merci. Vraiment magnifique, ce manteau. Oui, je suis d'accord. Je me souviens qu'il y a 2 ans, il était très à la mode. Il y a 2 ans? Holly m'a beaucoup parlé de vous et de votre épouvantable petite amie. C'est bien que vous ayez rompu. Oh, merci. Tout le monde sait qu'un mannequin doit fréquenter un mannequin. Et vous, vous trouverez quelqu'un qui vous convient. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. Mais tu te rends compte? Oh, s'il y a du karaoké, Feliz Navidad, c'est ma chanson. Mon espagnol est vraiment excellent. Essayons de nous amuser et de passer une bonne soirée. Vous voulez une coupe de champagne? Bonne idée. Très bien. Tu assures, il y a déjà une super ambiance. Tu as tout sur ton disque dur ou tu captures des boucles pendant ton mix? Disque dur. Ouais, c'est cool. On a plus de choix. Je sais que tout le monde préfère les mix, mais j'utilise le disque dur. Moi aussi. J'adore ta robe et... Surtout ferme ta bouche et si tu regardes une autre femme, je t'arrache les yeux. Brandy, je ne prends pas pour une idiote et arrête avec cet accent ridicule. C'est vraiment mon accent? Oui, bien sûr. Reste près de moi, d'accord? Et fais le bon. J'ai un super plan. 3 coupes de champagne, je vous prie. Excusez-moi. Oh, pardon. Oh, vous êtes le petit ami d'Oli? Oui. Bon. Milo. 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 Je connais ce prénom. Le photographe, oui. C'est ça, c'est moi le photographe, oui. C'est sympa comme métier. Ouais, mais en ce moment, je travaille sur des photos d'un autre, alors disons que c'est moins intéressant. Oh, oui, je comprends. Je connais un grand photographe, Dex Dearborn. Vous voyez qui c'est? Oui, on peut dire ça. J'adore ce qu'il fait. Il sait ce qu'il veut et il n'hésite pas à prendre des risques. C'est comme ça qu'on obtient tout ce qu'on veut dans la vie. Ouais. Oh, regarde qui est avec Beau. Peut-être que je devrais aider Milo. Milo est un grand garçon. Laisse-le se débrouiller. Oh, t'as vu là-bas? C'est Marcos. Il est avec Brandy la folle, l'ex de Beau. Non. Respire et détends-toi. Tu es au-dessus de ça. Oh. Bon, je vous laisse. Je dois apporter ça à 2 jeunes femmes assoiffées. Oh, quand vous prendrez des photos, vous pouvez en faire une de moi et de Holly? Merci. Oui, mesdames. Oh, merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je viens de voir Milo, un gars génial. Tu trouves? Oui, il va nous prendre en photo tout à l'heure. Mmh. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Nous prenons l'avion pour aller dans le Vermont au jour de l'an. T'as pris des billets d'avion pour nous deux? Vous avez l'air d'être très occupé. Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller le mordre. Je plaisante. Nous descendrons dans un sublime hôtel dont le restaurant sert un fromage de chèvre divin, élaboré à partir d'un lait de troupeau de chèvre naine du Nigeria. Tu vas adorer. Comment tu peux savoir que je vais aimer ça? Et ensuite, 2 journées de snowboard. Je déteste le snowboard. Mais chérie, la poudreuse va être compacte. Ce sera parfait. Et je connais le plus romantique des restaurants à fondue. Vraiment? Il est perché en haut d'un sapin. On devrait vivre ensemble. Je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite, on s'envole pour Cola et on se fait un 18 trous. Et c'est la meilleure façon de fêter une excellente année. Excellente, c'est le mot. Et que dis-tu de ces jeunes recrues? Fantastique. De mon temps, les petits nouveaux nous fichaient au moins une campagne en l'air. Oh, crois-moi, je m'en souviens. Mais ça s'est terminé pas sous ma supervision. Buvons à ces jeunes gens au dos long. Quel plaisir de vous rencontrer. Moi, c'est Brandy et lui, c'est Marcos. Salut, Brandy. Salut. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène à notre petite soirée? Le champagne. Ah, donnez-lui une coupe de champagne, voyons. Merci, c'est gentil. Vous êtes le grand Manitou ici. J'ai fait un shooting pour vous hier, vous savez? Non, vraiment? C'est peut-être le champagne qui me fait dire ça, mais c'était vraiment un désastre.
Un désastre ? C'était honteux. La personne qui s'en occupait était dépassée et elle a fait n'importe quoi. Impossible que ce soit une de mes directrices de campagne. Oh, peut-être que je me trompe, vous avez raison. Elle s'appelle Holly Maddox. Une minute. Bonsoir, Livingston. Je viens d'entendre ce que vous avez dit. Que faisiez-vous sur ce shooting exactement ? J'étais mannequin. Vraiment ? C'est bizarre. Je me souviens pas avoir vu votre visage sur les photos qui ont été prises. Pour quel produit avez-vous posé ? Des vêtements. Mauvaise réponse. C'était pour des diamants. Chelsea Diamonds. Vous connaissez ? Qui était le photographe ? Un gars frisé, mais j'ai oublié son nom. Pour quelle agence travaillez-vous ? Ford. Et qui vous représente ? Barry Winner. Ah oui, faux. Barry Winner a quitté Ford il y a 6 mois, jeune fille. Je ne sais pas qui vous êtes ou ce que vous avez contre lui, mais c'est une de nos meilleures directrices. Tout le monde sait ça. Et elle fait de l'excellent boulot. Excusez-nous. Hé hey, doucement, vous êtes fanée. Je vous conseille de déguerpir vite fait avant que je ne raconte partout que cette robe n'est qu'une contrefaçon. Sécurité, c'est terminé. Cette fille n'est qu'une pique assiette. Suivez-moi, allez. Dépêchons-nous. Non. Ça suffit, non, on se calme. Po, reviens avec moi. Po. On n'a jamais parlé d'aller dans le Vermont le jour de l'an et pourtant tu as acheté des billets. Est-ce que tu sais combien de fois je me suis cognée contre le canapé depuis que tu l'as déplacé? Je ne veux plus que tu prennes de décision pour moi. J'en ai plus qu'assez. Hé, hey, mi amor, tu m'as manqué. Marcos a besoin de Dina. Oh, mon chéri. Oh. Et Dina ne veut plus de Marcos. Sécurité, emmenez-le. Votre attention, s'il vous plaît. Il est temps d'annoncer le nom du gagnant du concours de décoration de Noël. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Regardez cette merveille. Ok, un petit roulement de tambour. Alors, ce petit roulement, les gars, vraiment pas, c'est sûr ? Il n'y en a pas. Ok, alors nous allons bientôt connaître son nom. Pour son approche vraiment originale des guirlandes lumineuses, le prix est décerné à Freddy Ferguson. Ouais. Merci. Applaudissements pour Freddy, merci. La récompense suivante est le prix Nuit Paisible, attribué à notre assistante la plus bavarde, j'ai nommé Mallory Fessel. C'est tellement évident qu'il n'est pas ce qu'il lui faut. Bien sûr, moi je le sais, et tu le sais aussi. Mais elle, est-ce qu'elle le sait ? Je suis sûre qu'elle le sait. Mais il est possible qu'elle sache pas encore qu'elle sait. Mais oui, elle le sait. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Tu vas là-bas, et ensuite tu la sauves du prince charmant. Et c'est pas comme ça que ça marche dans les contes de fées, Dina. En principe, on ne sauve pas la belle de son mais prince enfin, charmant. Ouvre les yeux, Milo. C'est pas un conte de fées, c'est un vrai cauchemar, ok ? Alors va là-bas, prends-la dans tes bras, embrasse-la et réveille-la. Mais si elle veut pas Milo, de moi ? T'as entendu ? Vas-y, prends-la dans tes bras et embrasse-la. Il faut que tu l'embrasses, voyons. Je t'en prie. Allez. Merci, Dina. Ah, mais... Garçon, s'il vous plaît. Ah, désolé. Ce n'est rien. Salut, je suis Kyle du 5e. Dina, du 3e. Enchantée. Tu viens d'où ? Du 5e. Non. Pardon, d'Australie. Est-ce que je peux t'offrir un verre ? C'est un open bar. Alors je t'offre 2 verres, 3 coupes. Merci. Santé. Santé. Alors, qu'est-ce que t'as fait toute la soirée ? Je vais être franc, je suis plutôt du genre timide. Alors je suis resté ici, tout seul, à attendre. Juste devant moi. Et enfin, pour le plus grand nombre d'heures sup passées au bureau, le prix du petit elfe studieux a été décerné à... À ma patronne, Holly Maddox. Bravo, Holly. C'est le moment ou jamais. Le baiser des amoureux. C'était le moment parfait pour un parfait baiser. Pourquoi tu as tout gâché ? Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je ne suis pas parfaite. Je suis même loin, très loin d'être parfaite. Je sais que tu n'es pas parfaite, mais on peut y remédier. Mais... Je t'aiderai. Mais je ne veux pas y remédier, Beau. Ce que j'ai enfin compris, c'est que je veux un homme qui m'aime, moi, pour qui je suis et ce que je suis avant tout. Un homme qui apprécie ma vie aussi difficile, compliquée et confuse qu'elle puisse être. Mais... Quoi ? Bon,
Tu es très bel homme. Et tu es grand et charmant. Et athlétique. Et athlétique et sexy. Tu es parfait. Je sais, oui. Mais je ne veux pas la perfection et je ne veux pas de cette vie parfaite que tu as planifiée pour nous. C'est tellement triste et superficiel et éreintant. J'avoue que je ne comprends pas, Oli. Oui, je sais, Beau. Et c'est pour ça qu'il faut que je te quitte. Chérie, abrège un peu. Il ne peut pas comprendre. Et Milo est déjà parti. Oh. Ah. Alors, on est passé de mode? Tu as fait une chute en venant au bureau il y a 2 jours et ta tête a heurté le trottoir. Tu te souviens? Ça fait déjà 2 jours. Ouais. Et tu sais que tu es très bavarde quand tu dors, Oli. T'as pas arrêté de parler d'une fête où tu as bu du brandy. Est-ce que t'as eu un chien qui s'appelait Beau? Il y a eu une fête, j'en suis sûre. Dina y était, et brandy, et Beau, et... Et moi, quoi? Eh bien, je vois qu'on est enfin réveillés. Alors, dites-moi, vous avez des vertiges? Ou une vision brouillée? Non. Au contraire, tout est clair comme de l'eau de roche. Tant mieux, je m'en réjouis. Vous souffrez d'une petite commotion et d'une bosse qui est due à votre chute. Nous allons vous garder à l'hôpital encore 24 heures en observation. Vous pouvez rester encore cette nuit, Monsieur Maddox. Monsieur Maddox? Oui, chérie. T'étais avec moi? Oui, bien sûr que j'étais avec toi. Allez, je vous laisse. Je repasserai. Et faites en sorte qu'elle reste au lit. Merci, docteur. Je leur ai dit qu'on était mariés pour pouvoir rester. Ah. Oh, et les photos, vous les avez prises? Ouais. Oh non! On ne pouvait pas faire autrement, c'était prévu. Et Livingstone a demandé à Dina de s'en occuper. Tout s'est super bien passé, les clichés non sont... Non! Oh non, c'est le pire qui pouvait arriver. Quand est-ce qu'on doit livrer? Demain, Dina devrait remettre le projet au client dans la matinée. Appelle-la, je t'en prie, il faut que je lui parle. Où? Oh. Où est mon ordinateur portable? Et mon téléphone? Et mon glace, il me les faut. Oh non, on a tellement de choses à faire. Ça va, je vais appeler Dina. Oh, la connexion est d'une lenteur ici. Le projet devrait être finalisé d'un instant à l'autre. Oli, les photos sont géniales. Milo a vraiment fait un super boulot. Salut, Daryl. Merci d'être venu. Pas de problème, hein. Tu sais que c'est mon boulot, les connexions. Ouais. Meg, une fois que Daryl aura terminé, tu pourras aller avec lui au bureau et jeter un œil sur mon courrier? Avec lui? Mm-hmm. Ok, je le ferai. Excusez-moi, Oli Maddox? Allons bon, d'où il sort celui-là? Oui, c'est moi. Bonjour, je suis Kyle Benning. Vous m'avez envoyé un email et demandé de venir avec une rose. Vous n'étiez pas australien? Quoi? Non, je suis de Fresno. C'est pas grave, c'est pour Dina. Oh. Hein? Quoi? Oli, à quoi tu joues, là? Dina, je te présente Kyle. Kyle, voici Dina. La rose, Kyle. Ah oui. Je veux pas de cette rose. Oli, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le coup sur la tête qui te fait délirer? Et vous, qui êtes-vous? Je suis Kyle, du 5e, okay. De Fresno. Uh-huh. Et... Dina. Uh-huh. Quand tu balanceras Marcos, et tu vas le faire, j'ai pensé que Kyle et toi... Kyle et moi? Kyle et moi quoi? Oh, vous feriez mieux de prendre cette jolie rose et d'aller au boulot, ok? Kyle du 5e étage. Dina. Il est encore là. Pourquoi vous êtes encore là? Mais... Allez-vous-en. Oui, d'accord. Vous perdez votre temps ici. Uh-huh. Allez. Qu'est-ce qu'il est chaud! Avec ce sourire timide, il me plaît. Ouais, j'en étais sûre. Non. Ça y est, on est connecté. Alors allons-y. Oh.
Tu vois, elles sont parfaites. Ouais, génial. Bye bye. Waouh, qu'est-ce que tu fabriques? C'est ce que tu voulais. C'est exactement ce que tu voulais. Ouais. Mais peut-être que je veux plus ce que je voulais avant. Plus aucun autre. Elle a dit gentil. Chut, fais-moi confiance. Tu sais qu'on n'a plus le temps de faire un autre shooting avant de livrer le projet. Pourquoi tu regardes ça? T'as dit que tu détestais. J'ai jamais dit que je détestais. Tu plaisantes. Et combien t'en as en tout? Je dirais 500 à 10 ou 15 près. Ça risque d'être long. Ouais, on n'est pas couché. Ok. Ok, je m'en vais. Il est 2 heures du mat et je tombe de sommeil. Merci, Dina. Allez. Bye, Dina. Bonne nuit. J'apprécie ce que tu essaies de faire, Oli, mais on les a toutes regardées 2 fois et on n'en a pas trouvé une qui pourrait convenir. On devrait peut-être prendre une photo du shooting. Non, elle est là, j'en suis sûre. Tout est sur cet ordinateur? Ouais, absolument tout. Quoi? Cette photo, d'où elle vient? Ah, c'est nous. Ce sont nos mains. Quoi? Je l'ai prise sans faire exprès dans cette boîte, tu te souviens? Oh. Elle est magnifique. C'est parfait. T'es merveilleux. Je sais, je m'en occuperai demain. Il faut que je dorme un peu.